Hello tous, ici j'ai du show et on se retrouve pour notre épisode quotidien de Chrono Trigger. Alors, on s'était arrêté en l'an 600, on vient de revenir, tout le monde dort. Est-ce que niveau PV on est comment et tout? Je me rappelle plus. On va reprendre tout de suite. On est bon. On vient de récupérer Manamune, qui est l'épée de fou. Mais alors du coup, le mec qui était censé être le héros est pas du tout le héros. En fait. Donc je me rappelle plus où elle est la maison de Tatsa, parce qu'on a Tatsa. Tatsa? Maison de Tata. C'est toi le petit bâtard là qui a flippé comme je suis une grenouille, a jeté ça dans un café. Pensais la vendre, mais quand tout le monde a commencé à m'appeler héros, j'ai pas pu m'en séparer. Voilà, bah donne-nous la médaille là. Je ne peux pas mentir plus longtemps, je ne suis pas un héros. J'ai sillon, tenez, prenez-la, je vous en prie. Père de Tata, voyou! Vous savez que c'était du vent. Mais t'es un mytho, mec, avant t'étais trop. Comment je peux croire une chose pareille pour l'amour de ma défunte femme? Je jure de garder désormais les pieds sur terre. C'est pas grave, gros. Écoute te parler et qui allait partout en disant à tout le monde d'avoir élevé un héros, hein? Bon, a priori, les deux, ils ont des petits problèmes. Ils ont des petits problèmes. Oh, mon petit-fils, il m'a dit en secret que son prochain but était de commander le super croiseur interstellaire XRRX. Ok. On est en l'an 600, hein, donc normal, normal. Les vaisseaux interstellaires en l'an 600. Le café, allons au café-café. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Monstre étrange est venu l'autre jour en grommelant à propos de la reine Lynn et du Mazamune. C'était une très laide grenouille, c'est bon. Moi qui pensais que le héros venait d'ici, quelle déception. Toi, tu me dis toujours que c'est là-bas. Vous me payez un verre? Bah ouais, on me paye toujours un verre, mec. J'ai cherché la conque arc-en-ciel que le chef veut absolument. Elle est sur une petite île. Le seul problème, c'est que je ne sais pas quelle île. Alors, comment ça, Tata est un imposteur finalement? Mais alors, où est le vrai héros? Mais le vrai héros, les mecs, c'est Frog, c'est la grenouille. Ouais, on l'a fait, ça y est. T'inquiète, t'inquiète. On a géré ça. Alors. Là, c'est tout ce qu'il y a à pécho. On va retourner à la maison du chef. Peut-être qu'il va nous dire de nouveaux trucs. Cave magique se trouve sous une montagne à l'est de Denadoro. Bon, ça, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Ce tata est trop adorable. Ok, d'accord. À côté du lit se trouvent deux coffres à trésors. Bon, voilà, si tu veux leur contenu. Ouais, mais je peux pas le dire. Je peux toujours pas les ouvrir. Est-ce qu'il y a un étage à ta maison? La maison du chef n'a même pas d'étage. Alors, bravo. Zéro. Zéro la maison du maire. Allons-y. On a dit que Frog, il était dans la petite forêt en bas. Hein, donc on va aller voir Frog. On va lui donner sa médaille du héros et son épée. Ah oui, petite grenouille, j'ai oublié les grenouilles. Ah mais il y a des buissons qui bougent? Non, ils bougent pas. Bon, on va faire du pex un peu. Allez, moi je veux me battre contre vous. Ils veulent pas se battre contre moi? Ah si. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai cru qu'ils fuyaient le combat. On va commencer. Alors je me rappelle. Ça on va faire. On va d'abord fouiner les grenouilles. Parce que les grenouilles, si elles sont, elles peuvent se faire manger par les serpents. Et les healer. Et ça c'est chiant. On se rappelle. Non, mais ça va bien la pluie acide là. Non. Vraiment servir à des magies contre ces trucs là, hein, c'est marrant. Vous allez vous calmer là par contre, hein. Voilà, on va en finir avec eux là parce qu'ils sont relous. Oh bah elle l'a défoncé. Bah elle l'a défoncé, hein, sans respect. Aucun. Et voilà, ça c'est fait. Alors si tu lui mets une glace sur lui, normalement c'est bon. Ah, ça a plus de 200 PV, hein. C'est pas mal. Hein. Alors c'est Y hein, pour changer le menu si vous vous posez la question.
Nice. Ok. Quoi quand même fouiller quand même qu'il n'y ait pas de. Qu'il n'y ait pas de passage quelque part qu'on aurait raté ou un truc comme ça. Non, il n'y a pas. Hop, allons voir Frog. Alors Frog, Dude, on t'a retrouvé tout. Vous êtes revenu, la médaille du héros! Oh, alors vous avez vu le jeune homme. Cependant, je ne puis rien faire contre Magus. La légendaire Mazamune est requise pour combattre Magus. Et je n'ai point le droit de le porter. Veuillez partir maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait dans son truc là? Une épée cassée, c'est un morceau du Mazamune. Quelque chose est gravé dans un alphabet archaïque. Melchior. Melchior, c'est le. Ah, c'est ça, c'est le mec qu'on a dans l'an 1000? Personne ne peut plus réparer le Mazamune. Faudrait qu'on aille voir Melchior en l'an 1000 maintenant. Allons voir Melchior. Frog, à un moment donné, il est un peu chiant là. Il veut pas. Le mec, il veut absolument pas se battre ni rien. Il est complètement déprimé. J'en ai marre de me battre contre les crapauds. Oh. OP crapaud, is OP. Alors, attends, éclair sur lui. Voilà, comme ça, on le tue. Et voilà, ça c'est fini. Déjà, ça c'est fait. Voilà, il n'y a plus de serpent. Suite à quoi, on va faire un feu sur lui et on va faire. Oh, j'ai envie de faire une épée glace. J'ai envie de faire une épée glace. On va faire une épée parce que l'animation elle est stylée. Bam! Allez! Adieu la grenouille. Moi je voulais pas me battre. Hein. Je voulais tous vous laisser en vie. Vous avez voulu faire les fous. Bah voilà, vous êtes tous morts. Bravo, GG mentalité. Ouais, qu'est-ce que tu fais, le serpent? Alors, ok. Et donc le passage, il était à la forêt en dans le bois là. C'est à qui ça déjà? C'est quoi ça? T'es qui toi? Ces bois signifient beaucoup pour nous. Ok, bon bah écoute, pour l'instant, le seul truc qui nous reste à faire, a priori, hein, c'est ça. Il y a une autre maison du chef ou celle qu'on a fait? La coupe arc-en-ciel pour fabriquer des armures réfléchissantes fortes contre la magie. D'accord. T'es qui toi? Sur une île à l'est, les falaises abruptes leur rendent totalement inaccessible. Comment on va pouvoir y aller là-bas? On va peut-être choper un truc qui vole. Un dactyle peut-être de la préhistoire qu'on a vu la dernière fois. Là. Pop. Le portail il est là-haut, on va aller le choper. Et on va retourner en l'an 1000. Melchior il était au village de Médina. Qu'est-ce que quoi? Oh là là, mais vous bloquez la route là, vous m'énervez. Mais d'où tu me lances un caillou toi? Putain, défoncez-le. Le mec il me lance des cailloux. Un éther, un remède, hop, on va. Ok. Le TP il est juste en bas. Hop. Et voilà. Clac, let's go. Hey, chargement super rapide. C'est ici Médina, c'est ça? Village Médina en 1000, ouais, allons-y. Ok, il me dit de nouveaux trucs ou pas? Tu peux dire la magie, les humains utilisant de la magie sont censés avoir péri il y a longtemps. Le village Médina fut fondé par les anciens mystiques, beaucoup de mystiques en veulent aux hommes, soyez prudents. Ils sont plutôt cool eux, hein. Ils sont plutôt cool, et Melchior il habitait où déjà? Il habitait en bas. C'est quoi cette musique?
Hop, but Melchior. Vous êtes revenu, vous venez voir ma collection. Eh non, mon gars, on est venu là, voilà, pour te donner le Mazamune. Pourquoi votre nom est-il gravé sur cette épée? C'est une longue histoire. Bah écoute, on a le temps, ça tombe bien. Vous voulez l'écouter? Parlez-nous du Mazamune! Est-il possible de le reforger? Ça pourrait être possible si vous mettez la main sur une pierre de rêve dont est faite l'épée. Où pouvons-nous la trouver? C'est une pierre rouge qui servait d'argent à l'époque. Oh putain, on retourne en moins 65 millions. C'est la fameuse pierre rouge du chef. Au bout que vous puissiez trouver la pierre rouge, mais si vous en ramenez, je réparerai la même lune. Gardez encore l'épée avec vous en attendant. Je vais vous acheter quelque chose. Bah, qu'est-ce que tu vends? Une épée rouge, un arc robin du plasma, un marteau, une veste titan. Et c'est tout. Et bah, Osef, mon chouchou, on s'en va. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont pop en bas? Toujours rien en bas. Où est-ce qu'il était le couloir du temps ici? Do you remember the corridor of time? Cave et crâne, on y est déjà allé là. Faut se refaire la cave pour y retourner ou est-ce que je peux retourner dans le placard des deux mecs là? Nom du chef, non. Homer, je lui ai dit là, non. Marché, non. Résident, ça doit être là. On peut pas l'activer? Si, on peut l'activer. Nice, cool. Hop, et on repart direct. Et cette fois, on va se refaire la préhistoire. Alors, peut-être que ça va nous avoir fait débloquer les zones, parce que du coup, tout était bloqué quand on y allait. Allons au mont Mystique. Parce que rappelez-vous, le mec nous avait parlé d'une pierre rouge que le chef troquait contre je ne sais plus quoi. Ah oui, tu vois, c'est pas du tout la même chose. C'est ouvert avec des écailles. Qu'est-ce que c'est? Mais par contre, c'est le bordel là. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je vais vous dire tout de suite ce qui va se passer. Il va se passer un combo qui va être horrible, puisqu'on va leur caler un antipode en plein milieu. Voilà. Suite à quoi, toi, tu vas juste balancer un éclair sur lui. Bim! Et bim! Allez, rentrez chez vous, les gars. Allez, paré, mon gars. Une petite parade au KLM et bam! Contre-attaque dans ta face. Arrêtez de me lancer des trucs, là. Ah, ça stun. Ça stun, on s'en empêchera pas de mourir. Hein. Mais quand même, ça stun. C'est marrant parce qu'il y avait un coureur comme ça au village. Qu'est-ce qu'il foutait au village? 10 points tech, un pétale. Okay. Encore? On est en infériorité numérique. Que devrions-nous faire, Jésus? Bon, on devrait tous les exploser. Oh, c'est qui ça? Qui est cette femme? Elle est trop bien! Stylaire! Voilà, tu les entailles eux. Antipode sur ceux qui restent. Et voilà. Ah merde! Allez, bâtard. Normalement, là, j'ai une ligne. Voilà, parfait. Ouais, vous êtes morts, hein, les gars. Bah oui. Bah oui. Ils sont marrants. Hop, j'obtiens un pétale. Je gagne un niveau. Au péchit, on a plus de mana, par contre. Hein. Putain, elle est trop bien, elle, Nidalee, là. Que voulez-vous? Elle veut se battre? Jésus! Oh my god! Toi fort! Quel nom? Bon nom, moi? Moi, Ayla. Ayla qui ressemble beaucoup à Bulma. On va la prendre comme ça. Moi, Ayla. Ayla aime Jean fort. Alors, Ayla aime Jésus. Parfait!
Ah, Marla, elle est jalouse et tout. Je pense qu'elle t'aime bien, Jésus. Bah, franchement, moi j'aime bien, hein. Vous fort aussi. Ah, elle la respecte, gens forts, hommes et femmes. Où est-ce qu'ils l'ont gardé? Jésus doux. Il monte bien après le jour après-demain. Pas mal. Ah, là, il nous envie. Venez au village, nous parler, manger, danser, manger, s'amuser. Nous aimerions venir, mais nous devons maintenant chercher une pierre des rêves. Beaucoup de pierres ici, là-bas au village, vous prenez beaucoup. Jésus vient, village Ioka par ici. J'aime beaucoup ça, hein. J'aime beaucoup la petite blonde chatte, là. Ça me plaît bien ça. Tu te fous de ma gueule là, comment t'as fait pour sauter comme ça? J'ai plus de mana. Un top sur les yeux tranquillement. On va faire un antipode sur eux. Antipode, c'est vraiment trop fort. Hein. Ah, c'est méga fort. Quoi. Tech, éclair, hop, et voilà. Et voilà, ça c'est fait. Une corne, Marla prend vitesse. Ah, ça c'est bien. Ça c'est un spell qui est bien. Qu'est-ce que t'as, toi, tu veux. Qu'est-ce que vous avez vu? Combo. Tourbifeu. Sur eux. Attends, pardon, je vois pas. Voilà. Normalement, ça devrait suffire. Hein. J'ai pas besoin de plus. Parfait. 84 points, blabla, un pétale. Ah, une pétale. Oh, il y a encore des dinos. J'aime bien les dinos. On va pas s'emmerder. On va faire un éclair sur ça. Boum. A plus sous le bus. Et ensuite, on va lui mettre un coup de glace. Dans la face, je... Ça devrait être bon. Voilà. Nick Welsh. Une corne, un niveau de plus pour Marl. Allez, on y va, on prend les 4, hein. On prend les 4. Alors, on va commencer comme ça. Voilà. J'ai flamme. Voilà. Un peu de PV pour tout le monde. Bam, allez. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts le feu sur eux par contre. Bah lui il est mort. Et lui il est mort. Il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire comme attaque après? On va essayer de choper les trois en même temps. On va se contenter de faire un tourbifeu, je pense. Ça devrait suffire. Ah, je pensais que j'avais les trois. Ah si, c'est bon. J'ai réussi à toucher les trois, je crois. Bah, il est mort. De toute façon, comme ça, c'est réglé. Eh, ça vous ferait chier, là, de tirer, sérieusement, hein? Allez, là. Voilà. Le kill voilà disparaît, kill voilà. Un 8 points tech, un pétale. Protection sur Lucas, parfait, on va gagner un peu de sustain. Jésus trop lent. Jésus vient, village Lyoka par ici. Mais meuf, nous on saute pas partout, hein. Tu vas te calmer, hein. Tu vas nous parler meilleur. Hein. Village Lyoka. Toi, hein, des reptiles, vaut mieux que non. Ok, bon, attends, restaure-nous déjà tout là. Merki, PVPM restauré, ça c'est fait. Hop, si on faisait caisse en froid, difficile à battre, on s'en fout. Avec j'aille. Alors, on va aller là d'abord, parce que du coup, je trouve où elle est. Je porte des peaux bizarres, on s'en fout. Tu dois vouloir jolie pierre rouge, chef à voir. Voilà, c'est ça. Hutte du chef nord du village.
Maintenant, gogo, hutte du chef. Elle est là, la hutte du chef. Mais il y a toujours personne dedans. Ah, y a, elle est là. Elle est bien, elle est là. Hein. Je vais la mettre dans ma team. Viens, Jésus venir. Nuit proche et prête pour fête. Viens, Jésus. Tout un programme. Écoutez tous, nouveaux amis ici. Homme fort, Jésus. Ami de Jésus, Marluk. Ouga. Maintenant, on danse. Est-ce que je peux danser, moi? Non, je peux pas danser. Je suis obligé de les regarder danser. Jésus mange, chante, danse. Ça me fait bouger les bras. Bien, faisons la fête, bien sûr qu'on va faire ça, mon gars. On va en profiter un peu. Bonne musique, passer de génération en génération. Et en effet, c'est la même musique qu'on avait avant. Oga Bunga, Munga Mepli, danse avec le peuple du vent. Danse avec le peuple des montagnes. C'est quoi déjà les touches pour danser? Ah ouais, on peut pas les activer. Bunga Bunga, chante et danse toute la vie. C'est qui toi? Kino, vous étranger, mais elle a faire fête, pourquoi? Toi pas gentil toi. Mal, elle rigole et tout, elle kiffe. C'est fantastique, je veux danser moi aussi. Bah vas-y, va danser. Voilà. Lucas, elle est au fond, elle est au fond du trou. Hop, on va aller revoir Ayla. Tu essayes soupe de porc spécial jurassique, bonne soupe. Ayla combat reptile, leur chef Azala, très intelligent. Tous au village Yoka combattent, pas combat, allez au village Laruba. Pas savoir où village est, toujours caché. Azala veut détruire Yoka et Laruba. Mais Ayla pas perdre, seulement quand Ayla morte, alors s'abandonne. Rencontrer Jésus aujourd'hui, bonne journée. Manger, fêter, chanter, danser. Jésus, tu recherches pierre rouge, oui. Rare, pierre rouge, signe de pouvoir. Ayla plus forte du village Yoka, donc Ayla a pierre. Tu veux, tu défies Ayla. Tu gagnes, alors Ayla donne pierre. Défi Ayla. Est-ce qu'on peut défier Ayla? On essaie. Apporter beaucoup de soupe. Faites donc manger. Jésus Ayla avoir une course de soupe. Ah merde! Ah mais je crois que ça allait être un fight, un truc OP. Pressez bouton A beaucoup de fois. Allez, go 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 ma gueule. Ah, elle est en train de me foutre une douille. Allez, bois tout mon gars. Ah, c'est Jésus, tu gagnes, moi donnez. Oh, on a eu la pierre du premier coup. Jésus mange beaucoup, manger dernier bol pour santé. Bien manger, peut-être manger trop. Bon, on a le caillou pour la Mazamune, on est tous bourrés le lendemain de la fête et tout, au calme. You. Menteur, j'ai été parfaite cette nuit. Mais pourquoi mon ventre me fait mal? Salut Jésus, c'était pas excellent la nuit dernière? Bah si, bien sûr que c'était excellent mon gars. On a mangé des trucs bizarres de la préhistoire, on a bu de la soupe jusqu'à s'en faire péter. Qui a fait ces traces de pas? Ah oui, c'est vrai, c'est quoi ça? La clé du portail a été volée. Fuck me! Sans elle, on est coincé ici à jamais. Ce n'est pas drôle, allons voir Ayla. Debout, Ayla. L'heure est grave, on est bloqué dans la préhistoire. Hein, Jésus est déjà debout. Musique épique. Trop de soupe, dormir comme pierre. Désolé de vous réveiller, nous avons été volés. Quoi? Sûrement les reptiles. Jésus, venir avec Ayla, on va combattre les reptiles. Qui d'autre vient? Bah, Ayla, elle a l'air de faire masse dégâts, donc on va garder Marle. Hein. Jean du Lila va j'avoir vu, alors demander, Jésus venir. On a la team Bimbo avec nous, ça fait plaisir. Village Yoka.
Chef, bienvenue. Quoi vous voulez voir? Cro-pétale, corne, plume, apporte 3 de 2 objets et je te donne une arme ou un objet. Quoi me donner? Pétale 8, cro 5, corne 6, plume 5. Alors, si on te donne quoi d'autre? On va donner un pétale. On va donner une plume. Bras de pierre. Tu as un bras de pierre. C'est quoi le bras de pierre? Alors, on a essayé pétale, croc, pétale, corne, plume. Apporte 3 de 2 objets. Et je te donne une arme ou un objet. Quoi me donner? On va faire les crocs et les cornes. Ça doit être vénère, ça. Gros silex. Je sais pas ce que c'est. On prend. J'ai un gros silex. Bien sûr que j'ai un gros silex. Qu'est-ce que tu prends? Bah, pétale et plume. Pétale et plume. Parce que ça fait pas avoir assez, donc pas troc. 3 de 2 objets, je te donne un. Quoi me donner? Donc là, il faudrait que je fasse un pétale corne. Pétale. Corne. Je change contre arc de sage. Oui. Tu as un arc de sage. Vouloir encore troquer? Non, je crois que je t'ai tout donné. Alors, voyons voir ce qu'on vient d'avoir. Du coup, je sais pas du tout ce que j'ai pécho. Gros silex. Ah, gros silex, gros dégâts, mon ami. On a un casque d'or, on a le vaste scie, télescope furibond, écharpe, agent. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a là comme nouveau up. Alors, on a ça pour la vitesse. On a le gant noir pour gagner plus de force. Le télescope pour donner les PV. Moi, j'ai rage, hein, ça me permet de contre-attaquer. La bande vitesse, c'est pas mal. L'écharpe, non, l'argent, bande PV max de 1 quart. C'est pas mal ça, hein. Ça me fait 421 PV. Hein. Et la broche argent PM utilisée divisée par 2. Ah, c'est pas mal aussi. Hein. On va le faire tanker. On va le faire tanker. On va le faire tanker. Alors, Ayla, tu as les points, on peut rien changer. Casque rock, t'as mieux. Veste rubis, t'as beaucoup mieux. L'écharpe force, ça fait quoi? Ah, attendez, on va aller changer. A priori, ça fait un force plus 4. Force plus 4, donc elle c'est vraiment un gros burst, donc on va la garder. Ayla a l'air très très cool, hein. J'ai beaucoup aimé le perso. Non, j'avais un arc pour Marle aussi. L'arc sage. Ah oui, putain, il est carrément mieux. Et le ruban, ça te fait quoi? Ça te donne des coups, ça te fait baisser ton attaque. De toute façon, tu vas surtout servir pour la magie. Donc pour l'instant, on va te mettre les PV divisés par 2, les PM, pardon, divisés par 2. On verra après. Place du village. Allons, place du village. Elle nous a dit les reptiles, ils sont où? Ils sont là-haut là? Non, ça c'est le truc des dactyles, c'est pas là, ça doit être la forêt en bas. Je peux pas le faire le tour de ça là? Parce que j'ai pas envie de taper le truc. Voilà. On est full PM pour full tout là. Ah non, je suis pas encore full PV parce que je viens d'augmenter mon pool PV. On va aller juste restaurer là. Ukino, parti tôt ce matin. Forêt des dalles, lieu effrayant, beaucoup monstres et chemins pour se perdre dedans. Chef, être prudente. Ok. Donc où on va, c'est ghetto et c'est bien le truc en bas. Reptile fort, chef, prends ça. Tu obtiens un remède. Cool. Il laisse trace qu'en courir. Suivre trace, trouver repère. Voir haute vie, devenir fort quand tu bois. Oui. Ah, tout le monde est content. Ah, c'est une chef du village, quoi, la meuf. Ah, et là, moi je crois que c'était le vieux. Comme si les écailles sont enfin difficiles là-bas. Joseph. Et donc c'est ça, hein, la forêt des dalles. Ok. Alors, il y a des traces de pas. Il y a lui là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Kino, quoi avoir fait? Dis maintenant. Kino a pris objet Jésus. Vas-y, mais quel bâtard lui!
Kino aimait Ayla. Ayla aimait Jésus, mais Kino pas aimé. Bim! Elle lui a mis un taquet direct. Kino, tu sais pourquoi je punis? Ayla pas aimé Kino. Non. Ayla aimait Kino beaucoup. Plus volé, d'accord? Ça, mauvais. Les mecs, ils t'aiment, genre... ils t'aiment, tu vois. Désolé, Jésus. Redonne objet à Jésus. Pas avoir reptile pris. En plus, le mec, il s'est fait chourer tous ses trucs, quoi. Parti dans arbre là. Mais t'es vrai. Ayla, elle est aussi. Kino retourne à village. Kino protège village quand Ayla pas là. D'accord, Ayla. Kino est homme. Donc, si Ayla mourir, Kino chef. Chasser reptile. Reprendre objet Jésus. T'inquiète. On gère. C'est quoi ça? Un coffre, un remède. Okay. Ok, alors par contre, ouais, ça va être le bordel. Hein. Ça, les trucs verts là, c'est des passerelles. Hein. C'est pas évident. Des oiseaux. Aiglon doré. On va commencer tout. Putain, elle attaque super vite. OP. Qu'est-ce que t'as comme tech? T'as pas de tech, t'as zéro tech. On va te faire attaquer direct. Boum! Allez, retournez le pigeon. Et bim, ah ouais, là maintenant elle fait des dégâts avec son arc, enfin. Ah, le truc est plus doré maintenant, donc tu peux l'attaquer. Ok, d'accord. Aiglon rouge. Elle l'a tué. Éclair sur lui, ça devrait être bon. Merde, il est... Ah, c'est ça, il est devenu rouge. Boum! Et voilà. Parfait, 138 points de temps, il a plein de tech. Ah, par contre, elle a aucun combo. Ah, elle a. Pour le moment, en tout cas. On va regarder ça tout de suite. Là, le baiser. Elle a le baiser. Je sais pas ce que c'est. PV et statue restaurée. Elle a un heal. Là, qu'est-ce que t'as, toi? Tu fais le coup? Ben. Vous allez mourir. C'est dommage que j'aime bien moi ces trucs là. Je veux pas trop les tuer moi. Hop. Boum, allez. En fait, vaut mieux les attaquer ces trucs là. Faut pas se prendre la tête. Hein. Simplement leur mettre des autos. Ah, c'est ça, ça suffit. Hein. Bam. Ça, c'est fait. Il y a un coffre en bas. On va aller chercher tout de suite. Un pétale. Ayla apprend baiser. Elle fait des bisous pour nous. Il est. C'est mignon. On peut pas aller par là. On peut pas aller par là. Suivre les petites traces de pas. On dit. Ah, mais les petites traces de pas. Ah, on peut passer la souche là? Putain, on peut passer la souche, ok. Il y a un... Alors, ça, c'est le chemin. On va prendre l'autre direction. Là, il y a donc un coffre. Un remède top. On peut passer là. On peut pas passer ailleurs. Là, le chemin est par là. Il y a un coffre là. Hop. Un éther top. Rien. Là, il n'y a rien non plus. Allez, c'est super bien fait. Hein. Je trouve que ça, le niveau est super stylé. Welcome to the jungle. Alors, hop, on se fait attaquer par quoi cette fois? Par un gros singe. Ah, une grosse singe ailée. Bon, bah, allez-y. Ah, mais ça va bien de me jeter sur le sol comme ça, oui. Tiens, ta gueule. Bon, 318, elle lui a mis. Aucun respect à Ayla, quoi. 123 points de points avec un croc. Est-ce qu'il y a des trucs à choper par là? Il n'y a rien. Là, il y a peut-être un chemin. On peut passer par là, ok. Change rien. Là, il y a un coffre. Un phénix. Eux, ça passe par là, a priori, ok. Sous la souche, là.
Alors, on focus le singe, hein. On focus clairement le singe qui va faire le plus de dégâts. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Enfin, sans faire de moins, il fait des dégâts, c'est déjà ça. Hop. Là, comme ça, il prend max dégâts par l'arbalète. Ah, je pensais que ça le tuait. Toi, tu vas frapper lui, normalement, ça devrait le tuer. Il a déjà pris un coup de... Ah non merde, elle a pas mis un critique cette fois. Bon, lui il est mort. Et bim. T'approche pas de nous. Ah le bâtard. Voilà. C'est réglé. 207 points de pex, 6 points de pex. Ok. Ouh, excusez-moi, je baille. Allez, hop, hop, hop. Un petit coffre, une tente, ok. Donc, on peut monter. Ça passe par là, ok. On continue à descendre. Bon, ça va, la zone n'est pas trop compliquée. Hein. Je pensais que ce serait plus difficile que ça. Enfin, pour l'instant, hein. Sur l'instant, c'est tapé un vilain boss dinosaure. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a pas de... Je me suis enlevé la synchro, du coup, entre Marl et... Marl et merde. Et Lucas, qui sont quand même les deux gros bursts. Enfin, c'est vraiment... L'attaque la plus puissante que j'ai pour l'instant, c'était celle-là. Hein, c'est l'antipode. Bon, après, pour l'instant, il n'y a pas des masses d'ennemis, donc ça va. Si c'est du gérable, si c'est du 2-2 ou du 2-2 à 4, ça va. Donc le boss, j'espère qu'on va pas le payer, quoi. Non. Non. Non plus. Il y a un coffre, là. Il y a un coffre, là. Comment on fait pour le pécho? Ah, faut passer en dessous. Faut passer en dessous, très bien. Alors, on fait ça, un remède top. Il va pas être tout seul. S'il est tout seul, bah, t'es tout seul. Ah non, il y a les kawali. Les pierres font les cailloux là, les trucs qui. Les cailloux font vachement plus mal que lui, hein, finalement. Moi, je préfère avoir ça. Ah, le mec, il m'a jeté dessus et tout. Quoi. Sans aucun respect. Hop, dégage le singe. C'est très utile pour un singe d'avoir des ailes, c'est une évidence. Hein. Mais d'accord. Hop là. On a un croc. Par en haut, il n'y a rien. En bas, il y a un coffre. Une antidote. Là, il y a une liane qui nous permet de descendre. Là, il y avait le coffre. On passe là. Eh ouais, sneaky, sneaky coffre. Un éther top. Est-ce qu'il y avait un autre truc de ce côté-là? Forêt des dalles. Ça nous amène là. Alors, attendez, hop. On va remonter. Parce que les traces, voilà, de pattes nous amènent ici. Donc, on va aller là. J'attends Marl pour faire un combo. J'ai vu qu'on était un peu moins bien en termes de. Voilà. Hop. De PV. On va pas risquer l'accident bête. On va se prendre un gros heal, voilà, parfait. Putain, mais les dinos, ils ont l'air sympas, hein, mais ils sont bien relous. Quand même, tu te demandes comment les mecs font pour survivre quand même. Allez, t'as une forêt à 2 mètres du village. Genre, elle est un peu ghetto la forêt. Ok, toi tu meurs, toi tu te prends un éclair, et toi tu vas nous balancer un peu de glace. Adieu les enfants. Voilà, parfait. Et boum. Ok, 96 points de pas de level up, pas tout ça.
Ok, là ça monte par là. Pourquoi j'ai la curieuse impression de revenir sur mes pas? Parce que je suis en train de revenir sur mes pas. Ah là là! Vous me dites rien, vous me dites que dalle, vous me laissez faire. Vilain que vous êtes, quoi. Alors. Je sais pas si ça touche sur ça. Est-ce que ça fait mal? Ah, ça fait pas. C'est une résistance magique, ce truc-là, c'est ça. On va déjà se débarrasser du kill wall avant qu'il nous fasse des petits dégâts en plus qui ne sont pas forcément utiles. Hop, hop. Bim, hop. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Du coup, il va faire mal à Marl. Ah non, ah, il est là. Il faut que ça, il est là, hein, tout le temps. La Catwoman de la préhistoire. La femme panthère. Femme panthère, c'est plus stylé que Catwoman. Hop. Et donc, on va là. Et qu'est-ce que c'est que cette caverne? Repère des reptiles. Ça, ça commence. Ça tue le boss là-dedans. C'est pas du tout des reptiles, ça. C'est de notre gueule, là. Oh oui. Oh, ça, j'aime. Oh, ça, j'aime. Avec Lucas, j'aurais pu faire des combos en fait. Ça, le problème, c'est que finalement, j'ai pas assez de combos de zone entre Marl et Jésus. C'est pas un problème en soi, hein, c'est juste un peu relou. Là, les auto-attaques, après, ça va suffire, hein, pour tous les tuer. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'autres persos qui combattent aussi bien avec lui en fait, donc c'est un peu chiant. C'est quoi ça? Oh fuck, putain. Merde. Bon, on le saura, faut pas prendre les trous tout de suite. Puis en plus, là, c'est un one way. Apparemment, j'ai pas trop le choix. Après, c'est tout le temps ça. Quand même pas des masses de dégâts. Hein. Ça suffit pour les tuer, mais pareil. Ah, c'est blindé. C'est plutôt sensible à la magie, ces trucs-là. Bon, ça fera bien l'affaire. Hop. On va faire une petite guérison sur Ayla parce qu'elle prend quand même masse de dégâts. Hein. Masse de dégâts. On peut pas remonter, on peut pas passer par là, on peut pas passer par en bas. Il n'y a pas d'autre passage. J'ai raté un coffre. Hein. Voilà, deux auras. On va bientôt avoir glace 2. Hop, on va pouvoir descendre. C'est quoi ce gros truc là? Mégazord. On a dit les dinosaures, ça aime pas les éclairs, ça les stun. Ok. Tu vas te calmer tout de suite. Voilà. Maintenant, on va pouvoir te mettre un peu de dégâts. Choqué. Ça l'a paralysé, heureusement, parce qu'il a énormément de PV, le bâtard. 2 points tech. Ah merde, je suis en train de tout rater. Donc, il faudra retourner ici pour aller chercher les coffres après. C'est quoi ce truc? Je suis en train de regarder s'il y a des passages hein, qu'on peut exploiter par la suite, mais non. Qu'est-ce qu'il a lui? Oh! Un mégazord. Alors attendez, hop, hop, combo, éclair, tout de suite sur le mégazord.
attaque le Mégazord. Défense baisse quand choqué, parfait. Choqué. Choqué toujours. Là il est mort hein, normalement. Ah merde, il est pas mort. Il m'énerve à me lancer des cailloux là depuis tout à l'heure. Et bim. Voilà, parfait. Mais tu mets un éclair dessus, en fait le truc est choqué jusqu'à la fin des temps, donc c'est pas trop gênant. Un petit level up au calme. Un petit coffre quand même. Un Ethermax. Okay. Là il y a un coffre aussi. Un casque rock, c'est pour moi. Casque rock, il pèse. Il pèse de ouf. Attendez, on va regarder parce que si ça se trouve, Marle peut le mettre, le casque rock. Ouais, elle peut le mettre. Donc voilà, c'est mieux, c'est plus worth sur elle. Parce que moi, ça m'ajoute que 2 points d'armure. Par contre, Marle, elle commence un peu à galérer. Est-ce qu'on peut passer par en bas? Est-ce qu'on peut machin? Tiens, viens là, toi. Parce que les Mégazords, voilà, ça remporte l'Alpex. Donc on va tous les faire. Donc, c'est assez facile à faire. On va pas paniquer. Quand c'est facile, on prend. On va pas râler. Boum. Dommage, il est pas dans le cadre. Bon, il s'est pris un 460 là, un 216, bon, il est complètement mort le truc. On va juste lui faire des attaques hein, maintenant, on a pas besoin de faire plus. Hein. Et boum. Et salut. 4 points de tech, un croc, un peu. Et un petit niveau pour Ayla, parfait. Rentable. Alors, on va aller là. On peut pas aller là si on peut aller là. Alors il y a un champignon derrière lui. Si on a dit qu'on le sait, on devait le full burst. Ah il y a un shiitake. Non il va nous lancer le shiitake le bâtard. Arrête de lancer les trucs sur nous là. Arrête de lancer le champignon. Sérieux lui. Tiens, un petit coup de crosse dans ta face. Merde. Mais stop me lancer dessus des champignons. C'est plus de l'al critique lui. 34 points de texte, 4 points de texte de pétale. Et d'une... Attends, on level up de ouf par contre les chiens. C'est plutôt cool. Alors voilà. Ah non mais là il a 2 shiitake là, c'est infâme. Vous saoulez là. On va lui casser d'abord ses shiitake parce que les shiitake ça fait trop mal, ça fait 50 points de dégâts à chaque fois, c'est relou. Voilà. Prends ça. Mais Tourbilulz. Attaque le shiitake. Ça déjà on prendra un peu moins de dégâts. Surtout qu'il attaquera moins souvent je crois. Voilà. Voilà. Ah tu fais moins le malin maintenant que t'as plus tes champignons. Dernier. Apprends coup rollo. Double tech coup pointu. Ça a l'air bien ça. C'est entre qui et qui. Coup pointu, c'est lui et lui. Attaque avec coup de pied, ok. Coup de queue retourné. Okay. On va dire ok. Là je peux encore monter. Alors le Mégazord. Éclair sur le Mégazord, attaque sur le Mégazord, attaque sur le Mégazord, full Mégazord, bim, choqué,
Choqué encore. On va tester le coup rollo, voir ce que ça fait. Hop. Coup rollo. Tu vas faire un coup rollo là. Oh, c'est trop bien! Ça fait un double coup. Un double kick en fait. Par contre, c'est mono-cible. Du coup, c'est plutôt pas mal contre les boss. Parce que tu fais plus de dégâts. C'est un peu comme les staphylades. 6 points tech, un pétale, un croc. Alors, ça, ça remonte. Ah. Ok, donc ça, ça pue le boss. Hop, hop. Voilà, parfait. On va sauvegarder. Suivez les traces. Alors je suis curieux de savoir ce qu'il y a là du coup. Là ça te fait remonter ici. On va le taper. Hein. Oui, on va te tabasser le singe. Ah mais. Please quoi. Ah. Ah. Et c'est fini. Donc là on va monter pour redescendre, mais redescendre où? Tu la sens ma grosse déception là ou pas? Tu la sens ma grosse déception ou pas? Putain, ça m'a fait revenir au début en fait. Ah mais ils font des trous? Ils font des trous? Ah attends là, parce que s'ils font des trous, ça change... Ah ouais, ah ouais. Ah c'est ça, c'est grosse attaque, grosse défense physique, mais ça vaut rien contre la magie. Allez dégage. Alors ça j'irai le voir après le coup du trou qui se fait avec le temps là. Parce que vous avez vu que le mec a creusé un trou. Putain, faut qu'on se retape plus là. Really? Je me suis fait, mais on s'est fait avoir. On s'est fait Jean Bobinouze. Putain, je suis trop con. On s'est fait Jean Bobiné. Parfait. Il est choqué. Hop, et il est mort. C'est quand même pas mal de PV. Hein. Ah, ça a mis quasiment 1000 PV. Comment ça fait hein. Un croc, ok. On va se refaire tout le chemin. Ok, LM. On va essayer d'éviter tout le monde. Hop, hop, hop. Moi, je peux brinquer ce qu'il y a. Voilà. Oh putain, faut se retaper les singes avec les shiitake. Un coup pointu à lui, là. Ce que ça donne un peu. Bam! Ah oui! Ah, ça fait des dégâts quand même. Voilà. À nous deux, El Champignon. Adieu. 4 points de tech, un pétale. Après tu vas te reprendre un coup machin là, c'est vachement bien ça. C'est vachement bien parce que du coup ça me permet de le two-shot en fait. Alors est-ce que c'était un critique ou est-ce que c'était un coup normal? C'était un coup normal. Oh, one shot quoi, carrément. Ok, très bien. Bah c'est fini pour vous en fait. Hop, merci, au revoir. C'est pour un pétale.
Donc on pourra changer des trucs après. On a dit qu'on est... J'ai claqué deux tentes pour ça, du coup. C'est pas grave, en même temps, on les utilise quasiment jamais. Hop là. Nickel. Donc on doit avoir le boss derrière la porte, je suppose. Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce... Hein? Qu'est-ce que cette chose? Est-ce que ces singes ont pu faire quelque chose d'aussi avancé? C'est quoi ça? Azala. Ah, les singes sont arrivés. Vous n'êtes pas comme Aïda. Dites-moi ce que c'est tout de suite. Dire à Azala ce qu'est la clé. Non. Je suppose que vous avez besoin d'un peu de motivation. Je crois que tu vas pas trop aimer ce qui va t'arriver. Viens, Nisbel. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tricératops sous stéroïdes, bien sûr! Évidemment! Il est un peu énervé, hein. Il est un peu énervé, on le comprend. On serait énervé aussi si on était un tricératops et qu'on avait cette gueule-là. On serait déçu. Ok. Baisse quand choqué. Ça prend des attaques physiques, est-ce que ça prend des attaques magiques? Oui, ça prend tout en fait. Combo directement le coup pointu dans sa face. Une attaque classique, s'il te plaît. Break! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Tiens, viens te battre. Libère l'énergie électrique. Alors attendez, pardon. On va le spam de... on va le spam éclair lui parce qu'il fait trop, beaucoup trop de dégâts. Corolo, s'il te plaît, tech. Guérison, sur qui? Sur toi-même. Voilà, merci. Comme ça tu mourras pas au prochain coup. Éclair encore. On va essayer de le, on va essayer de le faire se, tout simplement pas attaquer, ou le moins possible, ce qui fait beaucoup trop de dégâts. On va profiter pour faire la guérison sur Ayla. On garde l'éclair, on garde l'éclair. On reste sur le coup rollo. On garde ce combo là. On va pas dévier. Voilà, ça va passer hein, tranquillement, ça va être un peu long comme ça, mais... Merde! Mais what, quoi? Fouille un coup rollo, avec guérison. On voit du de la glace plutôt. Envoie-lui encore un Corolo. Envoie-lui encore un éclair pour le choquer, s'il te plaît. Attention, parce que la next shot, il nous tue tous. Hein. Un bâtard. Tourbillon maintenant. Now, 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 now. Oh, le bâtard. Ça passe pas. Si, ça passe. Chaud, 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 chaud de ouf, hein, putain. On va refaire un tourbillon. Voilà, comme ça au moins on peut prendre une attaque, voilà. C'est pas grave. Mim. Toi, tu vas tout de suite lui faire un éclair, toi. Tu vas utiliser un phénix. Hop. Peut-être pas maintenant, parce qu'elle va mourir. Là, je pense que... En fait, je vais la... Bah oui, elle va se faire un stand d'époque. J'ai été mauvais. Non, c'est bon, ça passe. Bah, limite, hein. Limite, parce que là, il va libérer son combo de merde, là.
toucher. Ah, je sais que... Il doit y avoir un moyen de l'interrupte, ça. Encore faut-il trouver comment. Ok, ça passe. Merde. Je vais remettre un éclair sur la bobine. Attends. Éclair. Attaque-le avec de la glace. Toi, tu vas prendre un remède top, ce sera très bien. Il a beaucoup de PV, ce bâtard. Hop, voilà. Jésus et Ayla sont en combo. On va pouvoir lui foutre un coup pointu. Ainsi que de la glace. Bam! Allez, ça t'a secoué ça ou quoi? Encore. Parce qu'en fait, il canalise. Il canalise, donc il doit y avoir un moyen de l'interrupter. Hein. À moins que ce soit mes propres dégâts qui me retournent. C'est pas impossible, ça. Mets un coup rouleau, s'il te plaît. Non, toi tu vas attendre. Yeah, on l'a eu. Eh, il est chaud, hein. Il est super chaud, ce boss, putain. On est mort une fois. Bah non, il y a Arya qui est morte une fois, quand même. C'est le deuxième qui nous fait le coup. 500 points d'expérience, 10 points de... Il a gagné un niveau. Putain, mon gars, on a quand même envoyé du lourd. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Les singes ont battu une Isbelle. Donnez objet à Jésus maintenant. Mais souvenez-vous, nous, les reptiles domineront le monde. Non, mec, vos jours sont comptés. Azala. Est-ce que la clé marche encore? Dieu merci, on dirait que tout marche bien. Je combats qu'en vouloir, Azala. Aïla, pas perdre. Merde. Tu peux partir, Jésus? Pas bien pour Aïla. Merci, Aïla, j'ai beaucoup appris de toi. Désolé Jésus, moi essayer d'être fort maintenant, tout comme Jésus. Reviens un jour Jésus, fais tes manger dans ses combattre et s'amuser. Bah ouais meuf. OP. Désolé Jésus, moi essayer d'être fort, hein, tout comme Jésus. Putain, on a encore... Reviens un jour Jésus, Marley et Lucas aussi. Bon, on reviendra, parce que c'est pas comme si on voyageait dans le temps. Bon alors toi, donne-moi des trucs. Alors quoi vous avoir? Trop pétale comme plume, blablabla, quoi me donner? Pétale 12, 14, cornes. Ah putain, j'ai pas beaucoup de cornes. Ah merde. En même temps, je crois que j'ai déjà fait croc et cornes. Donc on va faire croc et plume. Échange contre veste de rubis. Parfait. Ah, attends, on va voir ce que ça nous fait, la veste de rubis. Ah oui, c'est pas mal. Et par rapport à la Volk armure. Ah, je peux pas la mettre, la veste rubis. C'est pour les filles. For the girls. Bon, bah voilà. Veste rubis pour toi, Marle. Hop. Un peu plus de défense. Je vais en prendre une deuxième. Parce que je crois que je peux en prendre une deuxième. Non, merde, c'était cornes et plumes. J'avais des trucs genre bras de pierre aussi, non? Et si je fais croc et pétale? Est-ce que l'ordre change? Pistolet rubis. Ah ouais, ça, l'ordre change. Okay. Tu veux un pistolet rubis? Oui. Croc, pétale, corne, plume. Hein, quoi me donner? Et si on fait l'inverse? Si on fait pétale et croc? Est-ce que c'est la même recette? C'est la question. Pistolet rubis. Non, c'est bon, c'est la même chose. Ça fait pareil, donc l'ordre ne se trompe pas, et du coup on a une nouvelle arme pour Lucas, blablabla. Lucas, pistolet rubis, qui lui fait 10 de dégâts en plus, non c'est chiqué. Et ben voilà! On va pouvoir retourner directement à l'an 1000, pour la suite de notre épisode de demain.
On va réparer Manamune. On va sauver normalement tout le monde. Parce qu'on est trop épique. Voilà. Tout simplement, les enfants. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là. Hoppa. En restaurant tous nos PV. Voilà, nickel. Et on se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Donc samedi, je continue les playthroughs hein, jusqu'à ce que notre ami Vander soit revenu de Bora Bora. On avance au maximum dans Chrono Trigger pour qu'on ait plus que 4-5 heures de jeu qui nous restent la semaine prochaine. Donc je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on va se mettre très sérieusement sur Twitch puisque ça y est, j'ai décroché mon silver sur LoL, hein, je n'étais pas encore level 30, donc ça y est, je suis silver 3 maintenant, donc je pays. On va se retrouver de façon de plus en plus fréquente, donc suivez l'actu, on a ouvert un Twitter, Twitter Jésus Short, tout simplement sur Twitter. Vous avez tous les liens maintenant sur le YouTube, hein, donc n'hésitez pas, sur la petite bande, côté de la petite banderole, vous avez tous les petits trucs que vous pouvez cliquer. Le Facebook aussi, bon le Facebook est moins utilisé. En tout cas, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous sur ce jeu épique, comme d'habitude. À ciao.